Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite salle sur en enfin, petite salle, euh, disons que ça m'a pris un petit moment à la faire, parce qu'elle est, je crois, de niveau médium. Euh, en fait, elle m'a attiré parce que j'ai vu marquer Lock4Shell dessus, et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de voir un autre système que ce que j'avais fait auparavant pour, pour exploiter ce truc-là. Donc, ça va commencer par du Lock4Shell, et après du euh, du conteneur escape, vous allez voir bon, en fait on va atterrir sur un conteneur Docker, mais je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Donc euh, la salle est lancée. On a son adresse IP. On va la sauvegarder ici et on va même faire un nouveau truc que je fais maintenant en fait. Comme ça, ça nous évite à chaque fois de la chercher un peu partout. On va faire un sudo, sudo vi etc host. Et en fait, ici, j'ai un domaine que, qui s'appelle ac.thm pour tryacmi. Comme ça, à chaque fois que je vais utiliser mes commandes, je n'aurai plus qu'à utiliser ac.thm plutôt que l'adresse IP. Très bien! Donc première chose à faire quand on a une nouvelle machine, un nmap. nmap-p-hat.thm. Et c'est parti. Voilà, nmap a fini. Le port 22 et le port 80 sont ouverts. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va relancer la même commande nmap, mais en mettant 22 et 80 avec un tiré à pour que ce soit un peu plus... Euh, un peu plus agressif, en fait, et qu'on ait plus de détails dessus. Allez, c'est parti. Donc, voilà. Qu'est-ce que l'on apprend Ok, en fait, on n'apprend pas grand-chose de plus. Donc, on va continuer l'investigation. On voit que c'est port 80. Donc, on va ouvrir Firefox. Et on va taper http://hack.thm. Et on tombe sur un petit message. What you doing here? There is nothing to you. To, to see. I grab a cup of Java and look deeper. Alors moi j'ai vu un look deeper, je me suis dit, on va lancer du GoBuster. Alors c'est parti, je vais prendre ça. GoBuster qui va nous permettre en fait de faire de l'énumération. Alors bon, là vous voyez un peu jusqu'où j'en suis arrivé. La dernière fois, alors on va rester comme ça. On va prendre... Euh, non, on ne va pas faire comme ça. C'est pas la bonne commande que je voulais. Voilà, avec du common. Voilà. Alors, GoBuster, Lise moi les répertoires, les directories. Tirez e, tirez U, Machin, le site. Tac tac tac. Avec la word list. C'est parti! Voilà! Donc en fait, voilà, moi, quand j'ai vu le message Look Deeper, je me suis dit Go Buster, on va faire de l'énumération pour voir si. Pour moi, Look Deeper, d'aller plus profondément, c'était de trouver en fait jusqu'où je pouvais aller euh, niveau répertoire. Donc ici, on en a deux. On a Error, qui est une erreur 500. Donc si on l'ouvre, on a quoi? L'application a no explicit mapping for slash Error. So you are seeing this as a fallback. OK. Et la deuxième, nous avions tilde logs. Et là, dans tilde logs, no logs, no crime, go deeper. Bon, ben on, va, on va insister avec GoBuster. Alors, on va aller ici, slash tilde logs, c'est ça. Et c'est reparti. OK. Et donc on tombe encore sur un log, sur un autre répertoire qui s'appelle log4j. On va regarder ce qu'il y a dedans. Hello vulnérable world. What could we do here? Donc je l'ai pris comme on est arrivé au point final. Enfin au bout. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec On sait que la salle parle du log4 shell, donc on va devoir exploiter le, le, enfin, le, la vulnérabilité log4 shell. Euh... J'ai eu fait plusieurs tests avec du curl en essayant de passer des paramètres. Par exemple, hop, si je fais. Bon, je dois l'avoir quelque part, mais je. Bon, c'est pas bien grave. Allez. Voilà, log4j. Euh, J'ai essayé en passant des paramètres avec euh, toto égale... Euh, n'importe quoi et on obtient et on obtient toujours le même message what could we do here euh, en essayant la vulnérabilité euh, si je fais par exemple ça toujours le même message donc c'est pas bon et en fait bon je vous passe tous les détails au fur et à mesure j'en suis arrivé à cette URL où en fait il fallait passer en header sur le xAPI version. Pour trouver ça, parce que je me suis dit si on ne peut pas passer en paramètre, euh, en paramètre post ou, euh, ou en paramètre get, euh, je savais qu'on pouvait le passer en paramètre euh, via le header. Et pour trouver exactement ce que je pouvais changer, j'ai tapé log for shell header et ici je suis tombé sur ce site où on peut voir qui me donnait un exemple de curl je vous le zoome avec le xapi version autre solution on peut l'ouvrir avec burp suite euh, attraper la requête qui est envoyée la mettre dans le intruder et euh, essayer les paramètres en mettant à chaque fois le, le, la commande du log for shell pour voir si à un moment on obtient quelque chose c'est possible euh, mais je vais juste vous montrer moi comment moi j'ai fait pour résoudre cette salle donc j'en étais arrivé là je me suis dit pour tester en fait si cela fonctionne vraiment, je m'ouvre un deuxième un deuxième terminal. Je me fais un petit netcat dessus. Voilà. Et dans cette partie, je vais taper mon IP que je ne connais pas par cœur. Voilà, qui est celle-là. sur le port 1, 2, 3, 4. Et en fait, ce qui permet de voir si ça fonctionne, en ayant, en ayant ce netcat qui tourne et qui attend, si jamais ça fonctionne, je devrais avoir un retour. Et si, j justement, en le lançant, effectivement, on voit qu'on a une connexion qui se crée. C'est illisible parce que c'est du protocole LDAP, mais ça fonctionne. Et donc, à partir de là, nous allons faire comme nous avons vu dans notre précédente précédent vidéo, c'est-à-dire que l'on va créer le serveur LDAP qui va rediriger vers le serveur HTTP qui contiendra notre payload. Alors, c'est parti. On va donc continuer. Tac, tac. Je vais vous l'agrandir un peu plus. Voilà, on va zoomer pour voir. Très bien. Donc ici, on va lancer notre attaque qui sera sur le port 1389, qui est le port LDAP. Et comme la dernière fois, on va appeler exploit. Ça c'est prêt. Notre Netcat est prêt. Il nous faut notre serveur LDAP. Donc dans OPT Marshallsec, parce que j'utilise Marshallsec qui nous permet en fait de... De lancer ce serveur LDAP. Alors, on va faire un clean de notre package. Voilà. Et on va lancer notre jar nouvellement créé sur mon adresse IP qui va me rediriger, en fait, qui justement me redirigera vers le serveur HTTP euh, sur le port 8000 que je vais créer tout à l'heure. Et la, ser la classe Java à lancer, c'est Exploit. Cette partie est prête. Maintenant, on va s'occuper de l'exploit. Alors, pour cela, euh, on peut regarder un peu sur Google. Si je tape Java Reverse Shell, on va prendre Payload of All Things, on va prendre du Java, et on va prendre celui-là. On va déjà essayer de faire ça comme ça. Alors, Alors il ne reste plus qu'à faire notre payload. J'ai ici déjà un exploit.java. On va l'ouvrir pour que je vous montre ce qu'il y a dedans. Voilà, on a la définition d'une classe publique qui s'appelle exploit. C'est ce qui va être lancé quand on va, appeler, euh, on va lancer notre, notre curl. Euh, j'ai perdu beaucoup de temps la dernière fois là-dessus parce que j'ai essayé différentes commandes pour obtenir un river shell et, euh, et ça ne voulait pas marcher. Et en fait la difficulté qu'il y avait, c'est que le problème, c'est qu'on atterrit, on questionne un conteneur Docker et dans ce conteneur, peu de commandes sont déjà définies. Donc avec des badges, des trucs, des bin badges, tout ça, j'y arrivais pas. Et donc, il fallait arriver à trouver la bonne commande. Euh, un Netcat, ça va fonctionner. Donc, en fait, le truc qu'il va faire, c'est que voilà, ça va juste demander d'exécuter sur la machine cette commande Netcat, NV, ça, c'est mon IP attaquante sur le port, et de lancer en fait un binbash dessus. Donc, on a notre exploit, on va le compiler. En Java 8, et il n'y a plus qu'à lancer un serveur HTTP grâce à Python. Tout est prêt. On a notre Netcat qui attend, notre serveur LDAP qui attend, notre serveur HTTP qui attend, et donc il n'y a plus qu'à lancer ça pour voir que hop, on s'est connecté et nous voilà connectés au. Euh à la machine victime. Voilà. Si je tape ID, vous voyez, en plus, je suis route. Et c'est là la feinte. C'est que je suis route du conteneur. <coughs> Mais on va voir ça tout de suite. Alors, je vais quand même laisser lancer laisser, euh, ces trois fenêtres ici. Voilà. Parce que on ne peut pas stabiliser le shell. En fait, je n'ai pas réussi à stabiliser le shell. Donc ici, la moindre erreur, le moindre contrôle, c et on. On sort c'est à dire que si je fais ça ah ben ça y est j'ai quitté la machine donc comme ça ça nous permet rapidement de relancer la connexion si jamais on en a besoin alors ce que l'on va faire on va le zoomer comme ça donc là on est sur la machine victime si je tape ls je vois que j'ai le système linux on va prendre l'habitude de lancer ls la comme ça et en faisant ça d'ailleurs on voit qu'on est atterri qu'on a atterri sur un docker première étape trouver le premier flag pour cela find à partir de là où je suis ça ira très bien tirer name on va faire même iname pour ne pas être sensible à la casse étoile flag étoile on a plusieurs résultats dont dont opt.flag1. donc Si je fais un cat de opt.flag1, j'ai mon premier flag. Voilà, flag user trouvé. Voilà. Donc, j'ai recréé ma connexion. Comme ça, ça me permet en fait de ne pas, de pas vous montrer le flag en permanence. Euh, on a le flag user. Maintenant, il nous faut ce qu'on appelle le flag root, c'est-à-dire le vrai flag root, celui de la machine haute. Euh, il faut donc arriver à sortir. Du container pour cela euh, ce que l'on peut déjà voir c'est quels sont les disques qui sont rattachés à ce conteneur et pour cela on a une commande qui s'appelle fdisk-l et ici ce que l'on voit donc on voit les différents trucs par exemple bah celui là dev qui fait 1 giga c'est pas énorme un giga le truc que l'on voit c'est XVDA 40 Go. 40 Go, on peut se dire que ce n'est pas, un... pas un disque du conteneur. C'est plutôt. Ça fait partie de la machine haute. Parce que c'est assez conséquent. Donc, ce que l'on peut essayer de voir, c'est essayer de le monter, de monter ce disque sur le conteneur et de voir ce qu'il y a dedans. On voit que le device, c'est XVDA1. Donc, ce que l'on va faire, c'est un monte. XVDA1. Ah, oui, avant, avant toute chose, tout d'abord, on va faire un mkdir slash tem slash toto. C'est le folder qui va recevoir la conna... dans lequel il va falloir aller une fois qu'on aura monté notre disque. Et là, on fait monte. Slash dev slash XVDA1 dans slash thème/ slash toto. C'est fait. Et je vais aller dans slash slash toto ls-l. Et là, nous nous retrouvons sur, sur la machine haute. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de point docker nulle part. Donc, on est bien sur la machine haute. A partir de là, on peut refaire un find-iname de flag. On va trouver le flag root. Mais euh, je vais vous montrer où il est si on fait cd route ls regardez il y a le route.txt je fais un cat route.txt et non c'était un piège en fait donc ls-la nous montre qu'en fait on a le route.txt ici mais comme dans une de mes précédentes vidéos comme vous pouvez voir ici on a n'étant point, 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 pas un répertoire normal de base de Linux donc si je fais cd point, 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 ls là. ici à l'intérieur, on a notre nouveau flag. Plus qu'à faire un cat du flag. Et voilà, c'est fini. Bon, euh, je vais, on va peut-être revenir un peu en arrière et je vais vous montrer comment on fait avec euh, avec Burp Suite aussi. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que l'on va lancer Burp Suite. Voilà. Ok. Non. Next. Start Burp Suite. Dans le proxy, on intercepte. On va pouvoir le réduire. Donc, ce que l'on va faire, c'est que on va aller sur le site où on est. Ici, là. On va activer le proxy Burp et on va sur la page. Burp suite l'a intercepté. On va envoyer cette requête dans le répéteur. Ça nous permet de faire plusieurs tests sans avoir à recharger la page. Et je peux enlever l'intercept. Je n'en ai plus besoin. Euh, C'est pas zoomable. J'espère que ça va se voir correctement. Alors, ici, si j'envoie, j'obtiens le résultat classique. Hello, vulnerable word. What could we do here? Et maintenant, en fait, dans tous ces paramètres, on va tester notre, euh, notre commande. Par exemple, euh, ici, à la place de l'user agent, je vais taper le jndi de point ldap de point slash, slash. On va aller chercher mon IP, qui est celle là sur le port 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ici, on va lancer un net 4 sur le port 1, 2, 3, 4. Et donc le but, en faisant send, on va y tester un peu partout, c'est d'arriver à obtenir un résultat dans cette fenêtre. Donc là, j'envoie un send. Non. Il ne s'est rien passé. Donc pas ici. Je le prends. On va le mettre dans le accept. Et j'envoie. Voilà. Et on a quelque chose. Donc on sait qu'on va pouvoir faire notre injection dans le champ Accept de la requête. Très bien. Donc je le cancel ici. Voilà. Et, euh, et donc on peut commencer notre attaque. Et j'en profite aussi. Je vais vous montrer comment utiliser l'autre jar et le Jandy Exploit. Donc on va relancer notre Netcat. Je vais ouvrir une autre fenêtre. Voilà, on va aller dans OPT slash, je crois que c'est JNDI Injection Exploit. Là, allez, on va refaire un clean. Et on va recompiler le jar, que ce soit bien propre. Voilà, java. Donc, ah bah tu, vous savez quoi On va en profiter aussi pour aller voir sur GitHub. Ça, je n'en ai plus besoin. Hop. La page de GitHub pour voir où sont les... Quels sont les paramètres. Usage, voilà. Donc, on va taper java-jar. Java-jar jar target voilà bon elle est là tiret a notre IP attaquante tire c euh, le payload que l'on veut envoyer qui je vais j'utilise en fait le même que pour marshall sec voilà et en fait l'avantage de ce jar c'est que c'est tout on n'a pas besoin d'ouvrir une autre fenêtre avec le, le serveur LDAP pas besoin d'ouvrir une autre fenêtre avec le serveur HTTP, le, ce, cette application va s'occuper de tout. Donc je le lance, tout démarre, voilà, et si on regarde, ils nous fournissent même les URL LDAP ou RMI à taper. Hein? Le target environnement, si ça a été built-in JDK 1.8, euh, built-in JDK 1.7 avec trust URL code base égale true. L'autre truc, c'est qu'on va faire, c'est qu'on ben, on essaye. Et comme on a Burp Suite de lancer, il n'y a même pas besoin d'ouvrir notre fenêtre pour faire notre curl. On va prendre par exemple, nous on utilise du LDAP, on va prendre ça. On va dans Burp Suite. On sait que c'est ce paramètre-là, ici au niveau du LDAP. Voilà. Alors, à noter que euh, dans la commande que j'ai lancée ici, j'avais mis le pourcentage 2, 3, 4. Impeccable. Et eh bien je lance, send, on est connecté. Voilà, même résultat en utilisant un autre jar. Bon, ben voilà, euh, deux méthodes. Voilà, celle que j'ai utilisée de base, euh, comme ce que j'avais fait pour ma précédente vidéo sur le log4Shell, d'utiliser sec et donc d'avoir quatre fenêtres d'ouvert avec euh, notre netcat en attente, l'exécution du payload en curl, enfin l'exécution du curl. Euh, le serveur LDAP et le serveur HTTP et euh, deuxième méthode aussi qui est en fait plus, pff, on va dire plus simple entre guillemets pour faire de l'investigation c'est d'utiliser Burp Suite Burp Suite avec son répéteur qui nous permet de tester 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 sans avoir à chaque fois à recharger une page ou à relancer la commande curl et le JNDI injection exploit autre application qui se charge de, de tout en fait du serveur LDAP du serveur HTTP de générer le payload euh, donc, euh, c'est beaucoup plus rapide. On arrive au même résultat. Et enfin, sortir du conteneur, voilà, en listant les disques accessibles via la machine, en montant le disque le plus gros, et qui s'avère être la machine host, et donc de pouvoir se balader dedans en tant que, en tant que route. Voilà, voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!